Bonjour à tous les amis, c'est Origi91, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une map aventure Destiny Craft chapitre 1. Parce que je sais pas s'il y a un deuxième chapitre, mais peut-être bien qu'il y en a un, je sais pas, j'ai pas regardé. En tout cas, je l'ai pas trouvé. Et donc, une map aventure, ça fait longtemps que je voulais en faire une, j'arrivais pas à en trouver des correctes. Celle-là, elle date un petit peu, puisque je crois que la map a été faite en 1.5. Mais je la connais pas, et elle a l'air plutôt sympa. Pour le speech, c'est très très simple. Je suis un adolescent en passe de devenir un homme et d'atteindre un âge qui me permettrait d'aborder toutes les filles et de faire des choses... Non, je déconne, c'est pas vrai. De devenir un combattant, en fait, tout simplement. Un âge qui permettait de devenir de combattant, donc du coup... Je vais en gros devoir passer des épreuves qui me permettent justement d'évaluer mon niveau de combattant, enfin bref, voilà. Et pour passer ces épreuves, j'ai besoin quand même de quelques outils, etc. Et donc, la première phase va se contenter de d'aider en fait le village dans lequel j'habite, toutes les personnes à essayer de les aider pour pouvoir amasser du stuff. Et une fois que j'ai le stuff, eh ben, commencer les épreuves de type... manier l'arc, l'épée, savoir sauter, réfléchir, donc je pense qu'il va y avoir des énigmes. Et plein de petits trucs comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que... Eh bien moi aussi ça va me plaire, et j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Donc, hop, je repasse F1, F5 et tout le bordel. Et donc, nous sommes, je pense, dans le village, et apparemment, il y a un lit et il y a déjà des petites affaires. Je n'ai pas le droit de casser le bloc, je n'ai même pas le droit de casser les items frame. Je suis en mode aventure, niveau normal, je crois bien, option, voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est très simple. Le pack de textures, c'est un face full, tout ce qui est plus basique. Voilà. Pour les... Attendez, attendez, là par contre je suis obligé. Enfin, obligé non. Mais pour les créateurs de la map, c'est justement... Shaker77 et Vaars, mais de toute façon je pense que je mettrai tout ça dans la description si j'y... si je sais pas trop... si j'ai pas trop oublié. Hop, je récupère tout ce qu'il y a dans les coffres. Voilà, je me chope un arc, mais sans flèche, ça peut toujours être utile. Et là j'ai déjà chopé, donc hop, on va s'équiper de toute cette connerie. On va lire le bouquin. Et après, on va le tège. Livre de quête. Les quêtes peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre. Il est déconseillé, mais possible d'aller au sanctuaire. Dans les... Pourquoi faire des quêtes et pour pas les faire? C'est un peu con. Moi, je suis là pour faire des quêtes. Je suis là pour rigoler. Aller au puits prendre de l'eau la déposer. Putain. Numéro 1. Donc, attendez, je regarde juste. Ok. Donc c'est parti. Apparemment, il faut que... Ah, d'accord, déjà tu me trolls. Alors. Le village est un peu mort, non? Les gars, il est bientôt 18h là. Il faut se réveiller un petit peu. Oh. Indiana Jones. Bah oui, on reconnaît pas Indiana Jones, pas du tout. Maison de Pablo le peintre. Ouais, Pablo Picasso. Ah, je fais le tour, hein, les amis. Maison de Thor le guerrier, ça m'aurait étonné. Bondiork, Jean Bondiork. C'est marrant, la petite blague. Le sanctuaire, donc c'est là en fait où je vais devoir aller une fois que j'ai terminé. Putain, je viens d'entrer chez David là. Le guetteur en plus. Ah, tu m'as pas guette. Tu m'as pas guetté. Maison de Laurent Entraîneur. D'accord. Il y a des petits jeux de mots, d'accord. On est comme ça, nous. Maxime le Forestier. D'accord. D'accord. Et là, c'est la maison de grand-mère. Donc, je vais aller lui prendre de l'eau, apparemment. Parce que c'est ça le but. Le but de la quête.
Gélo, c'est bon, il n'y a plus qu'à aller voir grand-mère. Ok. Grand-mère? Grand-mère, t'es là? Salut grand-mère! Ah, c'est toi, Orish91! Ah, tu as l'eau! Pose-le dans l'évier! D'accord, mais grand-mère, il va falloir qu'on. Il n'y a pas d'évier. Quel évier? Grand-mère! Grand-mère! Quel évier? N'y a pas d'évier! Ah, d'accord, oh putain. Tu peux maintenant aller aider les autres villageois à passer tes épreuves. Ah, j'oubliais, prends cette épée. Celle-ci vient de ton grand-père. Elle sera très utile. Ok. Grand-mère, on va discuter un petit peu. Grand-mère, tu habites à putain de 10 mètres de l'eau, de la flotte. Tu peux bouger ton gros cul. Il y a un moment, ça va bien. Les vieilles personnes ont besoin de bouger. Manger, bouger, équilibrer, tout. Alors grand-mère, il faut te bouger le cul un petit peu. Pas ton larbin. Pas possible ça. Il y a des trucs dans le coffre. Ah oui. Un peu de bouffe, ça fait toujours plaisir. Je t'ai taxé un peu. Hein. Hop. Bon alors attendez. On va lire pour voir la deuxième quête. Quête numéro 1. Réussir la course sur le dos de cochon. Oui, mais alors, je suis tout à fait d'accord. Arrivée. Ah, il y a une arrivée, donc la course, elle doit être pas loin. Ah, arrivée. Alors c'est parti les amis. On va là-dedans. Apparemment il y a des règles. Alors. Contre la montre, la course de cochon doux, si vous trouvez en viril. Bah je t'en foutrais moi du viril. Temps de la piste en moins de 49 secondes, je pense que tu peux y arriver. C'est lui qu'il faut que je sèle. Hop! 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 Ah oui, merde, j'ai pas mis la carotte. Oh! Carotte! Hey! Dis! Bouge-toi un peu. Bouge de là! Bouge de là. Voilà. Je peux te diriger ou pas? Voilà. Départ, on est parti. Allez, prends les virages. Attention, là, ça glisse par contre. Hop là, hop là. On passe par là. Attention, on te prend pas quand même le... On passe par là, on passe par là. Hop. Là, c'est technique un petit peu. Allez, on monte. On monte, attention à la toile d'araignée, ça peut... Voilà, ça ralentit, hein, forcément. Hop. Aïe, je suis tombé. Attention à cette connerie, qu'est-ce que c'est cette merde? Ok, j'ai compris. Hop là. Et ça, c'est quoi? Attention au cactus, ça peut faire mal. Attention, cochonou. Oh, 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 oh. Ouh, putain. La sortie... Ceci est un piège, tu vas te perdre. Oh merde, t'es pas sérieux! Putain, le mec a tellement pas de bol! Temps écoulé, oh mon garçon, allez, cochon. Putain, attends. Attends, on va se garer 2 minutes. Attends. Parce que là, il y a eu arnaque. Oh mon garçon, allez, je suis sûr que tu peux le faire. Allez, 5 non. Putain, mais pourquoi? Pourquoi je suis passé de ce putain de côté gauche? Je suis en plus un putain de droitier. Normalement, le réflexe aurait été de passer vers la droite. Foutage de gueule, c'est un peu, non? Les amis, vous trouvez pas? Allez hop, bim, intérieur. Allez hop, on sait que c'est ici. Hop, on connaît le chemin maintenant. Allez hop.
On est trop fort, les amis. On essaie de glitch un petit peu le truc. En passant. Oh non, j'ai touché le truc là. Attention là, ça pique. Voilà. Oh, non. Tu meurs pas, s'il te plaît. Non, pourquoi j'ai touché ça? Non, mais là, je suis Keblo là, si vous êtes pas sérieux. Hop. On passe là. Je t'ai pas fait toucher les trucs la dernière fois. Donc, on va essayer de renouveler ça. Ok, t'es mort. Il faut passer là. Temps écoulé, t'es pas sérieux. Mais c'est pas vrai ça. Oh, dépêche-toi un peu. 49 secondes, mais vous êtes pas sérieux. Je l'ai loupé de combien là en plus? Ah, je me suis pris le mur. C'est foutu. Allez, monte. Là, faut pas se le prendre. Ok, on se l'est pas pris. Là, ça tombe. Là, ça fait mal. Là, c'est bon. Oh, merde, non! Oh, tu m'as donné des côtelettes, c'est déjà ça, mais... Oh, merde. Hop. Ah, mais là, je peux plus passer, là. Eh, merde. Sortie de secours. Ah, bien joué, vous avez tout prévu. Alors attends, parce que... Allez mon ami, je sens qu'avec toi on va pouvoir faire de grandes choses. J'ai absolument pas lu ce qu'il y avait dans le chat. Go! Dépêche-toi un peu. Allez plus vite. Là on prend l'intérieur direct. Allez, je sais que tu peux le faire. Voilà, hop. On essaie de glitch en prenant voilà, à moitié sur les blocs. Allez. Cochon. Non, j'ai rien dit. M'écoute pas du tout. Hop, je vais passer par là. Que je sens que c'est un bon plan. Voilà, passer ici. Hop, pourquoi je me prends ce truc? Pourquoi je suis Keblo comme ça? Je ne sais pas. Complètement de l'arnaque. Je suis resté au moins 10 secondes comme un trou du cul. Voilà, allez dépêche-toi. Dépêche-toi, ça peut passer là. Ça peut passer, c'est juste un petit slalom. Là, il y a juste à descendre et on a gagné. Non, t'es sérieux? Oh, foutage de gueule, il me reste rien. J'étais tellement dans les temps. Hop. Là, on est bon. Ce passage, encore, il passe. On est très très bien. Attends, mais t'es... Oh. Oh! Tu fais quoi? Ah merde, j'ai plus de carottes. Mais c'est du foutage de tronche. Mais d'où tu bouffes la carotte? Hey, allez, dépêche. Je savais pas que la carotte, ça se... Bon, bah là, ouais, on a perdu, hein. Merci bien. Ah, putain. C'est ce passage-là, là, qui me rend ouf. Oh, en plus, là, je l'ai tellement bien passé. Là, ici, on prend l'intérieur. Je suis en train de faire le parcours, mais en mode de ouf, là. Allez, on est parti, monsieur cochon. Cette fois, on y arrive. Si on n'y arrive pas, bah, on se casse. Parce que foutage de gueule, course de cochon, ça va bien 2 minutes. Ça va bien la comédie. Hop, prends sur le côté. T'as bien joué. Hop. Ça, c'est passé nickel. Ça, on connaît. Ici, tu passes bien sur le côté. Te prends pas le truc. Oh, c'est géré. On va tout droit. Je sais. Hop. Ici, on coupe complètement. Faut pas appuyer sur le bouton. Hop, c'est pas grave, on n'a pas touché. Hop, là on est bon. On prend l'intérieur parce que... on gagne du temps. Hop, j'ai pas touché. Hop. Quoi? Attends, mais non. Mais je suis tombé sur un... Non, c'est du foutage de gueule, par contre. Ah non. Ah là, j'ai fait zéro faute. Bon, c'est pas grave. Et on va par là.
Merde, je peux pas passer. Merde. Oh, comme ils m'ont... C'est pas grave. Hop, pas besoin de ça. Bon, quête suivante. Bon, la parucide, celle-là, par contre. C'est vraiment de la merde. Résonner du temple de la forêt. Il est où, le temple de la forêt? Est-ce que ce serait ça, le temple de la forêt? Je pense pas. Il y a une... Il y a une... Comment on appelle ça? Une porte en fer, du coup, je pense pas que je puisse passer. Mais le temple de la forêt, il est où? Ça doit être un truc sur le côté. Moi, je sens bien le temple de la forêt, ici. Attention, le parcours est... confondu à un tueur. Stand d'entraînement par groupe d'obstacles. Un bouton quand vous aurez commencé. Faites-le en moins de 30 secondes. Vous aurez une récompense. Si vous ratez, vous pouvez recommencer immédiatement. Les torches, je vous donne une indication sur le chemin. Bah, vous savez quoi? On va quand même faire ça. Ah bah tout de suite, voilà. Bon, c'est un parcours d'obstacle qui a pas fait de l'obstacle du coup. C'est pas grave, j'observe. Je regarde un petit peu le parcours parce que j'ai pas très bien compris. Je pense qu'il faut partir par là. Ah non, d'accord. J'ai compris. Option. Et où mon drop item? Bon, on s'en fout. C'est surtout pour le sprint. Contrôle, mais n'importe quoi. Voilà, parce que moi je suis... Attendez, mais il faut que je fasse ça en 30 secondes. Vous êtes malade. C'était visiblement pas par là. Oh si, attendez. Attendez, j'ai une idée. Hop. Hop. Là je fais quoi? Là, je suis un peu niqué là, non? Ok. Non, il faut que je reste là-dessus. Eh quoi? Oh non, pas du tout. J'étais sur là. En plus, j'étais dessus. En plus, j'étais dessus et puis j'avais mon doigt dessus, quoi. Enfin, merde. Hop. Ah, mais en 30 secondes, moi, j'y arriverai jamais, les gars. Vous êtes des malades, hein. Moi, je suis nul au saut d'obstacle. En 30 secondes. En 30 secondes, j'ai fait un obstacle, moi. Déjà, celui-là, il est compliqué pour moi, alors calmez-vous. Ok, non. Non, j'arriverai pas. Je me suis dit en one shot, mais pas du tout. Eh, hey, il y a Bernard, Jean et Robert. Et ça fait bleu, blanc, rouge. Ok, c'est de la merde. J'arriverai pas. Le mec arrive à aucune épreuve, quoi. Vous êtes sûr que je suis prêt à faire les trucs là pour devenir un guerrier là? Parce que personnellement, j'ai pas l'impression. Alors, on va essayer tout ça, hein. Stand d'entraînement sur 8 combats. On va peut-être pas y aller tout de suite. On va y aller après. Et il y a un truc que j'ai pas fait, c'est là-bas. On va y aller. Et une fois que j'aurai fait tous les trucs, je pense que je vais couper la vidéo. Et on continuera bien un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Stand d'entraînement tir à l'arc. Appuyez sur le bouton quand vous êtes prêt à commencer. Faites moins de 20 secondes et vous aurez une récompense. Si vous échouez, attendez une petite minute pour essayer. Oh, mais j'ai pas beaucoup de flèches, hein. Ben voilà, j'ai clairement plus de flèches.
C'est un peu con, non? Foutrait pas de ma gueule? Et lui, comment je le touche? Oui, mais j'ai pas de flèche. Ah, mais si tu me files pas de flèche, je vais pas pouvoir. Hein. J'en avais 3. Et y a plus de... Il y a 4... 5... 4 trucs. Déjà, même si j'avais tout touché d'un coup, j'aurais pas pu le faire. Ce qui est complètement ridicule. Ridicule! Ah, tu me files de la bouffe. Mais oui, mais moi, j'ai pas besoin de bouffer. Ah, poulet. Puis en plus, là-bas, j'ai des côtelettes gratos. Le sanctuaire. On va pas aller au sanctuaire tout de suite. Je vais juste aller fouiller toutes les maisons et on ira juste après. La course de cochon, là, c'est vraiment un truc sympa. Ouais, j'ai testé. Y a mieux quand même. Hein. Puis, impossible de battre le record, là. Je crois que... C'est Michael Schumacher qui a fait le record, non? Enfin, quand il était encore pas dans le coma. Alors, là-dedans, il y a quoi? Ah, putain. Et là, tu aurais l'habilité de trouver la tête manquante à ma collection. Bon, je vais pas trouver, hein. Par contre, le mec est plutôt bien équipé. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de péter les items frame. Mais clairement... Ah. Clairement, je pourrais, quoi. Le mec, il me file des trucs. Hein. Tiens, attends. Ah, je savais qu'il y avait un délire. Ah, mais putain, j'ai 4 flèches. J'ai rien pris, il y avait rien dans ton coffre, hein. On est d'accord. On est d'accord. Ah putain, je me fais troll à chaque fois par les portes. Hop. L'art très cher. Oui, l'art. Qu'y a-t-il de plus splendide, de magnifique, plus sublime? Oui, mais moi je m'en fous. Le moment que le souffle l'œuvre ultime. Putain, je vais encore devoir... qu'est-ce que je vais devoir faire? En fait, il faut que je fasse les épreuves et sans doute ce que je gagne, c'est des trucs pour eux, quoi. Mais bon, moi, je suis une crotte. Je sais pas, je tente les passages secrets, les amis. Oh! Ok, il n'y avait pas de passage secret. Il n'y avait clairement pas de passage secret. Bon, pour l'instant, je peux pas passer. Donc, les amis, on va se laisser là. Je vais vous retrouver une prochaine fois pour rentrer dans le temple. Essayer de faire un peu mieux parce que là en fait j'ai réussi quoi, genre une épreuve en fait, que celle-là je pouvais pas la faire. Les cochons c'était improbable, enfin c'était n'importe quoi, c'est-à-dire que même quand j'ai fait aucune faute, et j'ai pas réussi à faire le temps, donc disons que c'était un peu compliqué. Et qu'est-ce qui me restait? Oui, le parcours, vous connaissez mon talent grandiose pour le parcours. Je suis, comme qui dirait, une merde internationale. Et sans doute encore... Attends, mais il faut que je finisse en plus! Ah non, mais on m'a dit... Mais non! Moi, on m'a dit que je pouvais y aller sans... Voilà, on est d'accord. Rien à foutre des villageois. Merde! Et vous faire foutre! Putain de... Eh oh! D'accord? Je t'en prie, avance jusqu'à au bout de l'allée. Eh bien, non, je refuse. Ça sera au prochain épisode. Ciao tout le monde. Et ciao tout le monde.